neveu qui reste. Joseph, je veux que vous le protégiez en plus de bien l'avoir à l'œil en tout temps, compris? Bien sûr. Oh! Hello! So is this right to welcome the Viscount and his nephew? Très approprié et de bon goût. I can't believe Palmer invited the guy who's trying to steal the throne to steal the seal of the palace. Ce n'est pas le Parlement qui l'a invité, c'est moi. J'en ai eu l'idée. What? J'ai proposé de le faire pendre par les orteils dans la cour du château. Yo, what about your suggestion? Il doit y avoir de mauvais coups au château. Je préfère qu'il se produise sous moi. Ça n'a rien de bien difficile comme tâche. Tu n'as qu'à ouvrir la porte avant que le passager ne meure de vieillesse. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue. Votre personnel est incompétent. Et pas fiable. I just don't want to be nice to this guy, you know? He's rude, he's arrogant, so sorry. Yeah, he probably is, Grandma, but I mean, like, now, all of a sudden, I'll know it. He was the king of Genovia. What was that about? Oh, bah, c'est chérie. Qu'importe ce qu'il est, nous nous montrerons charmants. Nous nous comporterons avec grâce et obligeance. Le vicomte Mabray est lord de Vaux. Votre Majesté, Votre Altesse. Et vicomte. Madame, puis-je vous présenter mon neveu, Lord Nicolas de Vaux? Nicolas, nous sommes enchantés de faire votre connaissance. Votre Majesté, tout le plaisir est pour moi. Et c'est très gentil de m'avoir invité à passer l'été au palais. Puis-je vous présenter ma petite fille Mia? Votre Altesse. Et Mia, pourrais-tu accueillir notre hôte? Lord Nicholas. Elle fait toujours ça. Je vais me charger d'aller chercher un peu de glace pour ce pied. Je reviens tout de suite. Un accident. Bien sûr.